Voici à quoi devrait ressembler l'emploi du temps des écoliers à Lyon l'an prochain. La semaine à 4 jours et demi, version lyonnaise, devrait ainsi être rythmée. Une matinée de classe en plus le mercredi matin et le vendredi après-midi consacrée aux activités périscolaires. Pour les parents d'élèves et pour les enseignants, on est loin de l'esprit initial de la réforme Peillon. Cette réforme était faite pour alléger la journée de l'enfant et on se retrouve avec 3 journées complète à 6 heures, qui était contre l'esprit de la réforme. L'esprit de la réforme était bien d'alléger les apprentissages sur la journée des enfants, et là, on ne l'a plus du tout. Ça ne change rien, si ce n'est qu'on déplace une demi-journée à la place du mercredi, on l'a mis le vendredi, et excusez-moi, on se pose aussi la question, pourquoi ce choix du vendredi ? Quant au coût, estimé à 15,6 millions d'euros par la mairie, il est largement au-dessus des chiffres annoncés. De 12 euros en moyenne par an et par enfant, on passe aujourd'hui à 12 euros par mois et par enfant. Là, nous passons à un accueil de loisirs sur 3 heures avec une palette d'activités beaucoup plus large. Temps de loisirs, donc des encadrants plus nombreux, plus qualifiés. Donc on n'est vraiment pas du tout sur la même offre. Pas du tout non plus sur le même budget. Les services de la mairie devraient rencontrer les conseils d'école avant de remettre leurs propositions à l'éducation nationale le 6 juin prochain. À Lyon, 37 400 élèves sont concernés par la réforme des rythmes scolaires. Mauvaise nouvelle pour le cinéma en Rhône-Alpes. Alors que le Festival de Cannes s'ouvre aujourd'hui, le tribunal administratif de Lyon a annulé le financement attribué par la région à la structure Rhône-Alpes Cinéma. La cause, le non-signalement à la Commission européenne de l'existence de ce système d'aide. C'est l'écologiste Étienne Tête qui est à l'origine de cette procédure. Je ne m'attaque pas du tout à la culture, on s'attaque à un mode de fonctionnement d'institution qui n'est pas transparent, qui n'est pas équitable et qui pêche aussi sur sa qualité culturelle. Le rôle de Rhône-Alpes Cinéma est d'investir dans des films pour le compte de la région. La structure reçoit 3 millions d'euros par an, dont 2 proviennent de la région et 1 de l'État. Pour son directeur général, cette affaire n'a pas lieu d'être. Rhône-Alpes Cinéma est parfaitement compatible avec la réglementation européenne. J'en veux pour preuve, ne serait-ce qu'à Cannes, le film suédois qu'on va soutenir, qu'on a soutenu en coproduction, qui s'est tourné, qui est en langue suédoise, avec des comédiens suédois, un réalisateur suédois qui s'est tourné dans la région Rhône-Alpes et qui est en sélection officielle à Cannes. Voilà. De son côté, le président de la région dénonce le risque que fait peser cette procédure sur la production cinématographique en Rhône-Alpes. C'est aussi un moyen d'emploi ici pour les techniciens, un moyen de dépenses. Quand la région investit 1 euro, ce sont 4 euros qui reviennent ici dans l'économie régionale, dans l'emploi. Depuis le début de son activité en 1991, Rhône-Alpes Cinéma a soutenu plus de 220 films. À 18 ans, Romain a souvent les yeux rivés vers le ciel. Faut dire qu'à son âge, il a une passion un peu particulière. Depuis tout petit, son truc, c'est la météo, au point qu'il a fallu faire de la place dans le jardin de ses parents pour installer une vraie station de professionnels. On a la girouette et l'anémomètre qui sont là, qui mesurent la direction et la vitesse du vent. Ensuite, là, on a 2 abris météo qui permettent d'abriter les capteurs d'humidité, de température, donc du soleil et de la pluie. Depuis tout petit, je suis intéressé par la météo. Après, c'est peut-être aussi pendant la tempête de 1999, quand j'étais à Strasbourg, j'étais chez mes grands-parents et quand j'ai regardé la tempête, ça m'a aussi marqué. Une passion qu'il fait aujourd'hui partager sur Internet. Il a créé un site météoronalpes.fr et c'est depuis sa chambre à Bron qu'il réalise ses propres cartes de la région, prévision à 4 jours. On peut trouver des modèles de simulation de l'atmosphère donc sur certains sites en ligne donc qui sont gratuits. Le but du météorologue, c'est d'analyser ces cartes et ensuite de les interpréter et d'en faire des prévisions pour le public. Ça me prend environ 1 heure par jour. Bien sûr, son avenir, il le voit comme prévisionniste. L'année dernière, à seulement 17 ans, Romain a échoué de très peu au concours de Météo France face à des candidats 2 fois plus âgés. Cette année, il est en fac de géographie. Encore une histoire de cartes. Du monde en tribune, pourtant pas de match en vue. Ces 500 jeunes étaient réunis au stade de Gerland aujourd'hui pour passer le certificat Voltaire. Celui-ci valide 4 mois de formation pour améliorer leur niveau en orthographe. C'est un certificat comme le TOEIC l'est pour l'anglais. Donc on certifie au niveau d'une personne en orthographe. Et ce certificat, ce score peut être apposé sur un CV. Ça répond à une problématique des entreprises, sachant que 80% des recruteurs sont sensibles à l'orthographe des candidats. Quand j'écris les textos, c'est en toutes lettres. Donc déjà, voilà. Mais c'est vrai que je fais quand même des fautes. Avec le projet Voltaire, on se rend compte qu'on fait des erreurs toutes bêtes.
Milieu de terrain, Clément Grenier. Le Lyonnais Clément Grenier fait partie des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde de football au Brésil. Il a réagi cet après-midi à Gerland. Beaucoup d'émotions, j'ai eu la chance de découvrir cette liste accompagnée de ma famille, de mes parents, de mon frère, des amis. Dans la liste des 23, de pouvoir représenter son pays et de porter ce maillot bleu, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est un rêve de gosse, voire un rêve de tout footballeur. Un rêve qui semblait pourtant bien loin quand on repense à la blessure qui a tenu Grenier, éloigné du terrain. Bah, c'était un petit peu une course contre la montre ces derniers temps. C'est vrai que cette blessure m'a empêché de jouer. Après l'infection, voilà, ça a été compliqué, mais voilà, c'est une épreuve à surmonter. Lacazette et Gonalon sont eux aussi sélectionnés, mais comme réservistes.